Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Et je te fais confiance. Bien-aimé dans le Seigneur, paix et joie. Que la paix et la joie de notre Seigneur demeurent toujours avec toi et en toi. Le Dieu qui mérite notre confiance, le Dieu qui mérite qu'on s'appuie sur lui, celui dont les promesses sont oui et amen. Oui, nous venons dans sa présence ce matin, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Seigneur notre Dieu, combien tu es digne de recevoir encore la louange et l'action de grâce en ce matin. Merci, ô Dieu, pour ta bonté, ta grâce et ta fidélité. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ce nouveau jour que tu nous donnes. Merci encore, Seigneur, de ce que tu nous as gardé jusqu'ici. Tu es digne de recevoir notre confiance. Et aujourd'hui, nous venons avec cette confiance. Bien-aimé, je viens avec une bonne nouvelle pour toi, pour te dire que ce n'est pas encore fini, pour te demander de t'appuyer encore dans le Seigneur, de mettre ta confiance dans le Seigneur. Car la parole déclare que celui qui met sa confiance dans l'Éternel est comme la montagne de Sion. Une montagne qui tient, dont les racines sont fermes. Bien-aimé, ce n'est pas fini. Ce n'est pas encore fini. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Alors lève-toi, bien-aimé. Chante avec moi. Seigneur, je te fais confiance. Même quand je ne comprends pas, je te fais confiance. Seigneur, c'est difficile pour moi, mais je te fais confiance. Seigneur, je n'arrive même pas à chanter tes louanges. Je n'arrive pas à te rendre grâce, mais je te fais confiance. Bien-aimé, peut-être hier et avant-hier, tu n'as pas pu louer avec nous, tu n'as pas pu rendre grâce avec nous parce que tu traverses des situations. Mais aujourd'hui, je viens te dire, ce n'est pas fini. Aujourd'hui, je viens te dire, mets ta confiance dans le Seigneur. Et je viens encore aussi te dire d'ouvrir ton cœur, de parler à ton Dieu, d'être sincère avec Dieu. De lui dire simplement, Seigneur, je vis des situations, Seigneur, mais je veux te faire confiance. C'est difficile, ce n'est pas facile, Seigneur, mais je veux te faire confiance. Je veux te faire confiance, Seigneur. Je te fais confiance. Je te fais. Pas facile pour moi.
Pour un travail encore et encore. Tu as peut-être demandé au Seigneur une grâce encore et encore. Je veux te dire aujourd'hui, ce n'est pas encore fini. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Il est l'ami sur qui tu peux t'appuyer. Il est l'ami sur qui tu peux prendre appui, en qui tu peux avoir confiance. Il est l'ami qui nous connaît. Je te parle d'un ami que j'ai expérimenté, bien-aimé. Et je viens aujourd'hui avec cette bonne nouvelle. Il est l'ami qui essuie nos larmes. Il est l'ami qui nous connaît. Il est celui qui sèche nos larmes. Alors va, prie à ton Dieu. Prie ton Dieu, prie ton Dieu. Crie à ton Dieu encore. Cet espoir, je viens te fortifier dans le nom de notre Seigneur Jésus, le doux sauveur, l'ami qui connaît nos alarmes, l'ami qui est notre seul appui, l'ami qui nous donne son amour qui guérit nos douleurs, son amour qui nous fortifie. Sa main essuie toutes mes larmes, il est mon doux sauveur, doux sauveur. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Que Dieu te fortifie. Que Dieu te donne la foi, la confiance en lui. Afin que chaque jour de ta vie, tu ailles vers lui en disant, « Jésus, j'ai confiance en toi. Seigneur, j'ai confiance en toi. Car il en est digne. Il en est vraiment digne. Il est digne de notre confiance. » Alors que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, qu'il t'accorde, voilà, sa grâce en abondance. Nous avons prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.